Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du Let's Play de Bully sur Xbox 360 et ça fait énormément plaisir déjà de entendre cette musique. Donc Scholarship Edition, ou sinon appelé Canis Canem Edit. Donc nous sommes sur la version Xbox 360 qui était sortie en mars 2008. Donc édité par Tech2, on va tout de suite commencer. Et on va sélectionner le disque dur puisqu'on a une longue cinématique de début. Donc édité par Tech2 et développé par Rockstar et était sorti aussi sur PlayStation 2, Wii et PC. Il avait été annulé sur Xbox première du nom. Et il était sorti en octobre 2006 sur PlayStation 2. Et je l'avais terminé sur PlayStation 2 une fois, je l'avais terminé également sur Xbox 360. Je vais vous laisser suivre un petit peu le scénario quand même. Et c'est un jeu que j'adore énormément et ça me fait énormément plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais vous le faire en vidéo, c'est pour ça d'ailleurs je vous avais fait 3 vidéos spéciales Noël, même si la troisième... Attendez. J'expliquerai un petit peu par la suite vu qu'on aura le temps je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Rockstar, ce sont ceux qui font les GTA. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next year. Donc c'est une sorte de GTA 4, c'est un GTA Live plutôt, excusez-moi, version petit. Donc nous sommes dans un collège ou un lycée, je ne sais plus, et nous sommes à l'internat. Sauf qu'on ne peut pas voler de voiture, on ne peut pas tuer des gens, on pourra juste s'armer de notre lance-pierre. Je crois qu'on peut conduire un scooter, si je me souviens bien, qu'on gagne à la fête foraine. Conduire un BMX également, et un skateboard qu'on a dans notre poche. Donc ça promet de longues vidéos pour terminer le jeu, même s'il n'est pas très long, hein, je l'ai terminé déjà 2-3 fois et c'est vrai qu'il n'était pas, je crois qu'en 8 heures à peu près ça doit être bouclé par rapport à un GTA, par rapport au GTA classique. C'est vrai que celui-là était assez court, mais je l'adore, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On incarne Jimmy Hopkins, si je me souviens bien. Donc je l'ai installé sur le disque dur pour les temps de chargement. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, 2 premières vidéos spéciales Noël que j'avais fait il y a longtemps dessus, vu qu'il y a les saisons dans la neige. La troisième, ça avait foiré parce que mes sauvegardes avaient été corrompues. Donc je crois qu'on avait fait du Battlefield 1943. Et d'ailleurs, pour la vidéo GTA 4 sous la neige, je me rappelais plus quelle vidéo j'avais fait l'année dernière. Et vous m'aviez rappelé justement que c'était la vidéo spéciale où j'annonçais que je quittais Daymotion. Donc c'était pas très joyeux. C'était sur Red Dead Redemption. J'y crois pas. Je crois qu'il y avait quelques petits ralentissements sur la version Xbox. We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. Ok. Je connais par cœur le jeu. Very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins. Elle est amoureuse du proviseur. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Ça se voit d'ailleurs. Ah, il y a beaucoup de choses à en dire sur ce jeu, mais je pense qu'on va bien s'amuser. C'est pour ça que je voulais le faire en let's play, parce que c'est un jeu, il n'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur, un jeu sur lequel je me suis énormément amusé. Mais c'est pour ça maintenant que j'aurai un petit peu plus de temps, je pense que je vous ferai des let's play sur des jeux soit que je ne connais pas, soit que j'aime énormément. Le radar indique votre destination. Donc c'est une version remasterisée de la version PlayStation 2. Eh non, c'est vrai qu'au début on se fait taper par tout le monde, parce que la version PlayStation 2 au niveau des couleurs était assez pâle, assez fade. Mais la PlayStation 2 généralement, en plus je trouvais depuis... Enfin, je pense que... Attendez, je vais faire un petit tour quand même des lieux. Je trouvais toujours que la PlayStation 2, par rapport à une Xbox, par exemple, première du nom, ou la GameCube, c'est vrai qu'elle avait des couleurs plutôt fades. Après, c'est des avis qui divergent. Ici, ça sera notre internat, notre pensionnat. Est-ce que je peux courir? Ouais. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est arrivé sur Xbox, on retrouvait des couleurs beaucoup plus vives, un ciel beaucoup plus bleu. Et par contre, on a des ralentissements. Et il y a un problème au niveau du gameplay aussi, je trouve. C'est que lorsqu'on tourne, par exemple, on tourne la caméra, il se déplace. Enfin, il a un problème dans ses déplacements en fonction de la caméra. Mais on va aller voir le bureau du proviseur tout de suite. Donc, ça, c'est le héros. Par contre, je crois que c'est assez sombre. Attendez, je regarde son ordinateur. Non, je crois que ça va. Est-ce que je peux régler les options? Alors, on va voir ça en même temps ensemble. Alors, volume musique. Parfait. Bah, vous savez quoi, hein? Peut-être pas, puisque si j'ai fait la synchronisation avec ma voix, luminosité 5,
sous-titres avec. Est-ce que j'augmente? Parce que je crois que c'était un peu sombre quand même. On va mettre 6. Hey! Voilà. Ça doit être un petit peu plus clair. Je vois pas trop de différence. On va mettre à 7. Désolé. Divers. Ok, vibration. On va mettre à 7 et je pense que ça devrait être bon. Je regarderai sur la première vidéo que je vous posterai, puisque je ne les ferai pas toutes à la suite. J'attendrai de lire vos commentaires et tout ça. Et on va faire ça. J'ai prévu quelques petites notes pour ceux qui connaissent le jeu. Parce qu'en fait, on doit suivre des cours. C'est pas très marrant, forcément, on va se dire. Mais c'est des sortes de mini-jeux. Et c'est vrai qu'il y a les cours d'anglais. T'as l'étage, ok. Il y a des cours d'anglais et j'ai jamais trouvé tous les mots. En fait, on vous donne 5 lettres par exemple et vous devez former un maximum de mots qui existent en anglais. Et c'est vrai qu'il y en avait plein que je trouvais, mais il y en avait d'autres sans aide. Et bah, c'est assez difficile. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur tous les forums. Il vous suffit de taper Canis Kamenedit ou Bully et vous trouverez tout de suite des forums avec les réponses. What? 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 Yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. At making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster. And I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Et là, nous allons avoir notre magnifique uniforme. Qu'on pourra changer par la suite avec une tenue de ninja qu'on gagne lors de la soirée Halloween. Oui, c'est la soirée Halloween, je crois qu'on gagne la tenue de ninja. Je sais plus. At probably the worst school in the country. Its alumni are nothing but arms dealers, serial killers and corporate lawyers. Ça promet. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Ça promet. Alors, chapitre 1. On va aller chercher notre uniforme. Ah d'accord, c'est comme ça qu'elle nous a fait la visite. Je me rappelais plus, je me disais, tiens, je me rappelle pas qu'elle nous fasse la visite. Souvenez-vous, apparaît sur le radar en forme de... Ah oui, pour indiquer si c'est en haut et en bas. Il n'y a pas différentes vues. Non. Attendez. Ah si, elle a vu comme ça. Yeah! On se croirait dans Resident Evil. 5, je précise. Il y a quoi? Aller dans la chambre. D'accord, on n'est pas perdu. Ah, le logo. Ça, c'est le logo de la boîte de PlayStation 2, Canis Kanemedit. Et la version Xbox 360, bah je vous la montrerai quand je mettrai la caméra la prochaine fois. Et ben bah on voit... Non, je vais me faire taper. On voit Bully. Attendez. On voit Bully. Bully. On voit Jimmy, pardon. Tenant tête au proviseur. Sur un plan un petit peu comme là, lors du temps de chargement. Donc ça, c'est notre école, notre bay, comme ils l'appellent. Et il y aura différents groupes de personnes. Je fais un petit peu les présentations pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons les sportifs, les faillots, les faillots, les... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les rockers, je crois. Je sais plus. On a plein, on verra bien. Je l'ai dit, les sportifs. Oui, j'ai dit les sportifs. Donc là, on va aller ici. On va rencontrer notre collègue de chambre. Après, une petite bagarre. Voilà, c'est le petit tutoriel. Il y a bagarre. Hop, ok. Je sais plus comment on fait. Appuie sur les touches qui s'affichent. Ok, ça, c'est pour faire le petit combo. Allez, viens là. Viens de battre. Viens de battre. Très classique, hop. Ok, faudra qu'on se souvienne de ça. Et si on reste appuyé, ça donne un coup super fort. Et il y a la jauge de vie sous ses pieds. On va lui faire comme ça. Et tiens. Et boum. Humilier le caïd. Alors pour humilier votre adversaire, vous devez être plus... D'accord, et appuyez sur B.
Ah oui, il se tape avec ses propres mains. Maman. Et là, je crois qu'il y a Goliath, le gros Bobby, qui va arriver. Oh, je m'en souviens. Break it up. That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. Ok. Il est. Je m'en rappelle par cœur du jeu. Il est super balèze, l'autre. Mais après, je crois qu'il pose pas trop de problèmes. On peut le battre assez facilement. Et là, on rencontre. Là, par moment, il y a des moments de fluidité. Je sais pas si vous le voyez bien. Et après, ça ralentit. Et ça, ça va être notre nouvel ami. Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if you'll excuse me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. So it's up to you. You gonna play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Oui, le problème c'est que Jimmy il fait partie d'aucun groupe, donc il est tout seul face à tous les groupes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc là, je peux prendre une boisson, ça reste en ma vie en haut à droite. C'est quoi ça? Attendez. Ah, c'est dehors, c'est le premier mercredi du mois. Pardon. Allez, on va racheter une petite boisson si tu veux éviter d'avoir des ennuis. On va mettre notre uniforme, donc ici. On a les tables des jeux, eux je crois que... Non, ce sont qui eux? Je me rappelle plus quel groupe c'est. Lui va encore me taper. Et là on va avoir notre chambre, on va pouvoir faire notre petite potion, on va prendre notre uniforme, sauvegarder dans le lit. Pour l'instant je peux pas encore. Et ici on va choisir nos vêtements. Après les vêtements je crois qu'on a même un commerce où on peut... On va faire tenue. Hop là, on va prendre cette tenue et après on pourra même acheter des vêtements je crois dans un commerce. Et là, on va faire la présentation d'un... Hey, ah oui, c'est lui. Comment vas-tu? Tu dois être le nouveau kid. Je suis Pete. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins. Et ne me demande pas comment je vais. J'ai été ici 5 minutes et déjà, les gens veulent me mettre mort. Même mes parents n'ont pas haïti moi aussi rapidement. Eh bien, bienvenue à Bullworth. C'est un dump. Great. J'ai été expulsé de quelque part à moitié décent. Oui, j'ai été expulsé de quelque part à moitié décent parce que je suis vraiment mal. Give up the tough guy act, pal. Hey, man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go on? C'est vraiment un enfoiré. Hello, Gary. Look at you. Leave me alone, Gary. I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. Salut. Salut, Pete. Alors, pour sauvegarder... Ah non, j'ai dit des bêtises, pour sauvegarder, c'est dans le bouquin, on va le faire au cas où. Alors, emplacement vide. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que j'avais quand même des sauvegardes, hein. Ouais, d'ailleurs, si je voulais rejouer au jeu, bah je peux pas. C'est une blague. Je viens d'y penser, mais elles sont encore mes sauvegardes. Oh, punaise, je les ai encore perdues. C'est incroyable. Ah, il y a quand même l'ombre dynamique au sol, je m'en rappelais plus. Et on peut dormir? Non, c'est pas le... Ah oui, ça y est, je m'en souviens, pourquoi je peux pas dormir. Voir les tâches disponibles, on va aller... Voici votre école, d'accord. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je crois qu'il y a des petits élastiques à ramasser. On va ramasser... Ah, il y avait un faillot. On va lui tirer sur caleçon. Il y a des petits élastiques comme à l'instar des pigeons dans GTA 4. Je fais souvent la comparaison. Comment j'enlève les caleçons? Ah, faut peut-être que je fasse comme ça. Hop là! Oui! C'est pas moi! Faut pas que je fasse de trop de bêtises parce que même les faillots au début je crois qu'ils peuvent nous taper donc on... Même après ils peuvent nous taper aussi, je dis des bêtises. Oui donc pour la nuit en fait il faudra aller se coucher parce que après sinon il y aura tous les surveillants comme ça qui nous courront après. Même le bonhomme Jimmy il tombe de fatigue. Donc faut faire attention si vous êtes trop loin de l'établissement. Donc pour le commencer les pions sont représentés par des points rouges. Okay. Ah oui, les pions, d'accord, les surveillants, oui. Donc au début, on sera que dans cet établissement scolaire.
comment j'avais montré la carte ici. Et par la suite, on débloquera la ville sur la gauche, après la ville juste au-dessus, où il y aura plein de commerces. Et après, ça sera sur la droite. La droite, je crois que c'est un hôpital psychiatrique et des trucs comme ça. Donc pour l'instant, on sera clôturé ici. On n'aura même pas le skateboard encore. Là, c'est le dortoir des filles. Donc là, ça doit être marqué Boys Dortoir, ouais. Donc on va aller faire, je crois que c'est des... On va faire des cours, on va faire les cours ensemble. On va faire nos premiers cours. Juste un petit truc cool avant de faire les cours, ça c'est cool. Hop. Ouhou. Ça n'a jamais servi à rien, mais c'est toujours aussi cool. D'ailleurs, je crois qu'en BMX ou en skateboard, je le descendais aussi dans le jeu. Donc on va y aller. Normalement, il y a des horaires aussi. Il n'y a pas l'horloge parce que normalement, non, ils veulent tous venir me frapper. Il y a des horaires également à surveiller pour aller en cours. Voici votre école. Ça va, les temps de chargement sont plutôt rapides. Je me souvenais que sur PlayStation 2, c'était assez infâme. Oh non, pas encore. Votre objectif. Ok. Donc là, je crois qu'il va nous montrer qu'on peut rentrer dans les casiers. Oh oh. Je peux présenter mes excuses. Ah d'accord, c'est avec A. Ok. Je me rappelais plus de ça. Ok, là je t'ai dit. Ah, je me rappelais pas de ça. En fait, je l'ai jamais fait, je crois. Les soudoyer les. Parce que généralement, j'essayais de me battre contre eux. Ok. Ciao! Hop là, ça nous permettait. Ah oui! Comment il fallait faire déjà? Mince. Attendez, là, faut que je tourne le pad. Voilà. Et ça nous permettait par exemple de voler des trucs. Ou sinon c'est lorsqu'il y a les pions. À droite des radars, il se remplit lorsque vous commandez. Ok. Attention, en rouge sur le radar, ce sont les pions, oui. Et justement les pions pour se cacher, il y a une petite jauge, on peut voir en haut à droite. L'endroit où ils regardent, et ben on peut se cacher dans les casiers pour pas qu'ils puissent nous repérer. Ou même dans les poubelles. Ah oui, ça je m'en souviens, on avait même une vue à la première personne dans les poubelles. Allez, on va sortir de là. Bon, j'espère que ça vous plaira. Hein. Ça, ce sont les toilettes. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je croyais que ça avait bugué. C'est pas là qu'il fallait que j'aille, je crois. Non. Oh non. Non. Oh non. Oh, faut que je recommence. Oh, l'andouille. Oh punaise, je suis désolé. J'ai vu une porte, il y avait de la fumée, ça faisait bizarre. Et c'est reparti, on va recommencer. J'espère qu'il y a eu un petit checkpoint. Non, même pas. Bon, allez, viens, on va se dépêcher. Allez, viens avec moi. Je sortirai pas cette fois. Oui, il est là. Est-ce que je peux passer? Non, je peux pas passer. Oh, l'andouille. Allez, vite, on va s'excuser. Ouais, je suis désolé. Je suis désolé. Allez. Ça marche pas. Voilà, je suis désolé. Tiens, je te donne quelques dollars. Le truc en plus, c'est que je me rappelle des voix de chaque personnage, c'est impressionnant comme quoi c'est. Allez, pousse-toi! Allez! C'est l'extincteur qui brille! Il y a l'extincteur qui brille. Hop! Mais en fait, il suffit juste que je bouge le pad dans une direction donnée. Hop, là je dois tourner dans l'autre sens à gauche. Pas trop, parce que si on tourne trop. Après. Ça fait bugger le truc, il faut recommencer depuis le début. Hop, la casquette. Là, il y a le bonhomme qui va arriver. C'est assez polygoné quand même, les personnages, surtout les mains et tout ça. Allez, nous, dans la poubelle. Let's go. Il y a encore une bagarre, il y a tout le temps des bagarres dans le jeu. C'est ça qui était sympa, c'est qu'il y a énormément de vie. Regardez. Oh, il a. Le petit, il a battu le. Oh punaise. On peut prendre un mec et en plus se mettre dans la poubelle. Est-ce qu'on le fait? Non, on va pas faire tout foirer. Allez, viens. On va pas tout faire foirer encore une fois. Il a glissé. Je crois que c'est les œufs ou les bananes. Bon, il va où? Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il veut taper le faillot, je sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, me dites pas que ça a bugué encore. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi il s'est mis en mode pas content contre un gars, on sait pas pourquoi. Putain! Et il est énervé, on sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai des problèmes, vous avez vu, pour déplacer le bonhomme à cause des angles de caméra? Ah bah, il est pas content. Je sais pas si je vais là, c'est ça. Désolé pour les angles de caméra, mais il y a des bugs. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça y est. Il est un peu bizarre, ce type. Ah, c'est ici qu'on pourrait acheter des vêtements. Ne courez pas dans... Ah non, je croyais qu'on avait pas le droit de courir. Alors... Oh man, there's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Go, see what she wants. Alors, ok. C'est la même façon qu'on pour s'excuser. Bon, j'aimerais bien avancer maintenant. Allez. Eh, je crois que le jeu est complètement bugué. N'importe quoi. On va apporter son chocolat. Souvenez-vous pour... Oui, ça j'ai compris. Je sais pas qui est-ce qui a pris son chocolat, mais c'est vraiment un enfoiré. Ça c'est quoi? Ça doit être des missions. Alors, toi et des hommes. Qui est-ce qui a piqué son chocolat? C'est toi. Alors, est-ce qu'on... On va l'humilier. Ah bah... J'ai même pas eu besoin de le taper, j'ai déjà le chocolat. Je l'ai ramassé? Ouais, j'ai ramassé. Bon, pour l'instant, c'est pas très intéressant les quêtes, mais ça sera un peu plus intéressant par la suite, vu que là, c'est que le début, encore une fois. Là, c'est un petit peu le tutoriel, le didacticiel. Tiens, ton chocolat, et on s'est fait une amie. Non, non, non. Oh, l'enfoiré. Sheesh. I'll remember this forever. I remember this forever. Allez, on va à la cantine. Je vais te montrer. Punaise, il y en a toujours qui sont après moi. On pouvait lancer des billes. Là, j'aimerais bien lancer des billes, mais j'en ai pas encore. Alors, regardez. Les angles de caméra foireux, ça fait bouger le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la cantine? Je sais qu'il y avait des trucs dégoûtants dans la nourriture. Bah, là, on le voit d'ailleurs. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Ah, ça y est, il va nous expliquer. Là-bas, ce sont les faillots. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. C'est vraiment des caricatures quand même. Ah, les blousons noirs. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them, at least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Monkeys. Les mecs en blouson noir, ça me fait penser à... Vous êtes ici pour apprendre... À comment ça s'appelle la série culte Sunday, Monday, Happy Day. Avec, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui mettait toujours les pouces vers le haut et tout le monde le trouvait cool. Les cours du matin commencent à 9h et durent jusqu'à... Ah oui, voilà. Regardez l'horloge, donc c'est pour ça on a un petit temps. On n'est pas obligé d'y aller, mais si on veut faire évoluer un petit peu notre personnage, on est obligé de le faire. Donc on va aller en cours. Des fois c'est des cours de dessin, des cours de chimie. Et ça nous permet de débloquer des nouvelles aptitudes. Ah non, c'est en bas. Donc on va quand même le faire pour pouvoir débloquer un maximum de choses, pour que vous puissiez voir un maximum de choses aussi. Alors cours de chimie, d'accord, je me rappelle plus ce que c'était, je crois qu'on... Non, je préfère pas dire de bêtises, on va voir. Et après je crois qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui, on fera des petites vidéos de 30 minutes ensemble. Je crois que là ça sera sous forme de QTE, ah oui c'est sous forme de QTE, ouais. Donc concentration, même si le début c'est pas trop dur. Même si je suis pas un adepte des QTE.
Enfin, pas de cette façon. La façon Shenmue, j'aime bien, mais la façon musique, j'aime pas trop. Comme Guitar Hero et tout ça. Yeah! Ça va, c'est facile. Et là, normalement, on aura débloqué les boules puantes. Je crois. Et on pourra les fabriquer. Ah non, c'est des pétards. Dans votre chambre, oui, c'est dans notre chambre. Mais ils servent à quoi, les pétards, déjà? Ah, c'est une arme, en fait. Qu'est-ce qu'on... Sur qui on va l'utiliser? Non, toi, tu... Non! Ah non, de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont tout... Les gens, ils me traitent de loser. Il y a une peau de banane par terre. Tiens, on va utiliser ça, sur... Ah, j'ai envie de glisser. Oh punaise, oh punaise, le proviseur. Non, non. Ah, faut pas que je bouge la caméra, en fait. Dès que je bouge la caméra, ça modifie les déplacements du personnage. Comment je peux faire? J'ai pas mon skate, là. Attendez, attendez, vite, vite, vite. Et là, je les ai semés. Faut que je me cache dans une poubelle. Non, c'est bon. C'est parfait. On va aller là où il y a l'étoile. Faut que je fasse quoi? Coup monté. On va aller faire coup monté. On s'enfuit de là. Et après, on retournera en cours après. On va faire le maximum de choses. On va pas tourner en rond à chaque fois dans les vidéos. Alors. LB pour... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Ah mince, ils sont encore méchants après moi. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Pour qu'ils arrêtent d'être méchants. Je crois que... Ah oui, attendez. Oh non, 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 je sais ce qui va se passer. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. On va faire vite le truc. Je vous expliquerai après. Est-ce que je peux le faire? Oui, coup monté. En fait, si je me fais attraper, si j'arrive pas à m'enfuir, ils vont me faire tondre la pelouse. J'ai pas envie. J'ai pas envie de tondre la pelouse. By fighting, by making a nuisance of yourself, that is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit, hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Coup monté. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Screw you. Ah, le lance-pierre. This is what we do to teachers' pets around here. You better not. Come here, you little. Yeah, come and get me. Notre fameux lance-pierre. Je sais même plus comment on le récupère. Allez, on va le suivre. What you gonna do? Il y a plein de raccourcis partout, je vous les montrerai pour ceux qui souhaitent les connaître. Ah, il est où? Oh punaise. Ah, la petite musique. Regardez, dès qu'il y a plusieurs personnages, hop, là il y a des ralentissements de fou. Eh, mais comment il... Faut que j'appuie plusieurs fois. Si j'appuie plusieurs fois, ouais, je dois aller plus vite. Je l'ai vu qui courait vers la fontaine. Comme ça, ça vous fait une petite visite de l'établissement. Ah ouais, là il y a bagarre. Non! Comment j'enlève mon arme? Attendez. Ah ouais, faut que j'enlève mon arme. Comment je l'enlève? Ah, comme ça. Ah oui, c'est parfait. Hop. Faut que je fasse gaffe de pas perdre toute ma vie. Désolé, faut que je me rappelle de tous les boutons. Y a pas quelque chose que je puisse ramasser, c'est quoi ça? Ah si. Comme ça, je vais pouvoir le balancer. Faut juste que je me souvienne comment on balance ça sur un bonhomme. Ah, tiens. Tiens, prends ça. Frisbee. Oh, enfoiré, il m'a éclaté ma tronche. Ils m'ont pas appris comment esquiver, par contre. Comment j'esquive? Je sais plus si on peut esquiver. Ah, j'ai récolté un soldat, ça m'a redonné de la vie. Ouais, je me souviens plus si on peut esquiver ou pas les attaques. Je crois que c'était assez basique, hein. Il fallait pas trop en demander non plus. C'est juste par la suite, avec un clodo qui était un ancien militaire, on va débloquer de nouvelles techniques, de nouvelles aptitudes qui sont sympas. Le soldat, même si j'ai pas perdu de vie, c'est pour ça, oui, c'est pour ça que j'ai pas ramassé. Ah, je suis content en tout cas de le faire. Dites-moi si ça vous intéresse, hein. Parce que moi je peux le faire sans que ça forcément ça vous intéresse, donc ça sera un peu bête. Mais j'adore ce jeu. Je peux pas forcément me rendre compte si c'est intéressant ou pas. Là il y a un truc. Hop, on va ramasser ça et tiens. Ah, ça lui a rien fait. Ce que j'aimais bien c'est que ça rebondissait. On va faire comme ça. Et ça c'est quoi? Ah, c'est des œufs, je crois. Ah non, c'est pas des œufs. Tiens, on va le taper avec. Tiens. Comment je le lance? Tiens. Ramasser une arme. Ah oui, il faut que je ramasse les trucs pour lui balancer dessus. Mais ramasse. Masse, 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 masse. Faut que je ramasse ça. Là, faut que je fasse gaffe parce qu'il va me tirer dessus. Oh punaise, les angles de caméra sont un peu foirés. Allez vite, il est où le truc?
Il est en train de m'exploser la tronche. Tiens, frisbee dans ta tronche de cake. Hop, allez. Oh, il est en train de me faire perdre ma vie en plus. Ça va, j'en ai. Oh, punaise. Tiens. Et là, je récolte le fameux lance-pierre. Et là, on perd du respect par rapport à un certain type. En fonction de votre tâche, vous recevez du respect positif ou négatif de la part des bandes. Ok. Niveau de respect, appuie sur pack et allez sur l'état de page. Ok. Page état plutôt. état de page. Pour parcourir les objectifs. Lance-pierre. Ok. Je crois que là, on va s'entraîner avec le lance-pierre. J'ai envie d'essayer. Normalement, il y a un mode de visée. Comment ça marche? Non, c'est pas comme ça. Ah bah tiens. Bouge pas! Bouge pas! Normalement. Oh, oh l'enfoiré! Non! C'est assez puissant le lance-pierre. Je sais plus si c'est au début, c'est pas très fort, mais après, normalement, ça devient super violent. Ah, je peux pas faire. J'essaye des techniques que j'ai pas encore débloquées. On va aller là-bas. Ah, une boule puante, je crois. Hop, on va juste. Ah oui, bah oui, j'ai pas encore le skateboard. Et c'est ici qu'il y aura le clochard par la suite. Il est peut-être déjà là, on va aller voir. Ah bah. Attendez, je vais voir s'il est là. Parce que normalement, il est dans le parc au fond. Un petit élastique. Et ici, normalement, il y a un clodo qui nous attend. Ah, il est pas encore là. Et qui nous apprend des techniques lorsqu'on trouve des radios dans l'école. Mais là, il est pas là encore pour l'instant. On va lui faire cette petite mission. Là, il y a le pion. Je crois pas que j'ai fait quelque chose. Absentéisme. Ah si. Ok, absentéisme. On va aller vite en cours. Et après, on fera peut-être la mission. Je sais pas jusqu'à quelle heure sont les cours. On va aller le faire. Hop. On va aller faire 2-3 cours. Après, je sais pas, on fera peut-être la mission demain, j'irai sauvegarder. Enfin, demain. Après-demain, je sais pas quand. Pourquoi il y a un indicateur en haut? Faut peut-être que j'aille voir le proviseur. Cours d'anglais! Ah bah, j'ai bien fait de prendre mes notes. On va faire ça et après, on va s'arrêter. Ok. Par contre, il va falloir que je fasse vite. Donc, je vais pas trop parler. Ça, c'est pas trop marrant par contre. C'est pas trop marrant, il faut travailler, il faut utiliser notre cerveau. Alors, trouver autant de mots français que possible avant la fin du cours. Ah, oh oh. J'ai pris quoi moi? Ah, je crois que j'ai pris la version PS2, donc c'est pas pareil. Attendez. Là, c'est des mots de français. Effacer lettres, mélanger lettres, parcourir info. Bon, on verra bien. Alors, comment ça se passe déjà? On va faire hop, 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 hop. Ouais, c'est bon, ouais, non, c'est la même chose. On va faire bic. On va faire dans l'ordre pour éviter de perdre du temps. Non! Hop, parfait. Voilà, je vais pas trop parler, je vais faire ça rapidement pour qu'on. Pour qu'on passe à autre chose parce que c'est pas très drôle. Good show. Attention, ça va faire rire les plus jeunes. Je sais pas pourquoi. Ah bah, hein, ça a pas marché. J'ai fait une erreur. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est? Pourtant, c'est indiqué. Oh oh. Je crois qu'il va m'en manquer en fait. Ce qui me fait peur, c'est qu'il va m'en manquer. Well done. Alors. Good one. Ok. Il y a des trucs, c'est bizarre quand même. That's right. Ok, alors, il me reste combien? Oh, ça va, il me reste du temps encore. Je viens de mettre quoi? Je me rappelle plus. Alors, ça. Ça, je connais. Good show. Et il m'en reste encore un ou deux à noter. Il y en a juste un, je comprends pas pourquoi il est pas passé. Ça se trouve, c'était un piège. Hop. C'est bon. Et là, il m'en reste. Ah, il m'en reste deux, donc je sais pas pourquoi la personne a noté ça. Et le dernier. Hop. C'était juste pour faire un truc pour que ça vous fasse rire. Pfff, cours d'anglais. Vous me faites passer. Alors qu'est-ce qu'on gagne avec lui déjà? Ça nous débloque quoi? Je me rappelle plus les cours d'anglais ce que ça fait.
Alors, faut après une fille ou les pions. J'ai pas eu le temps. Si vous avez, j'ai pas eu le temps. Vous pouvez désormais vous excuser de façon plus efficace. Mais on s'en fout si c'est pour ça. Punaise. Tout ça pour ça. Sachant que j'utilise jamais dans le jeu. Bon, les cours d'anglais, je crois qu'on va sécher les cours d'anglais. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est pas un truc marrant à faire. Il y a d'autres mini-jeux plus drôles, comme par exemple la chimie, vous l'avez vu, ou la mécanique, ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu plus drôle à regarder, et sûrement pour vous. Et plus drôle à moi. Plus drôle pour moi à faire. Donc je pense que les prochaines fois, on n'ira pas forcément. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc dites-moi si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu. Hein. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. C'était les débuts. Plus tard, normalement, ça devrait devenir plus drôle, des missions plus intéressantes. C'était pour faire un petit peu les présentations. Et bientôt, on aura le skateboard. On va aller sauvegarder. Il est quelle heure? C'est bon, on a encore un petit peu de temps. Je vais aller juste sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Je vais juste faire un truc. Je crois qu'il y a un truc à récolter derrière. Je sais plus ce que c'est. Là, il y a le ballon. On peut shooter dedans. Non. Je veux shooter dedans. Comment on fait? On revient le ballon. On peut même shooter dedans et en même temps ça peut taper un personnage. Comment on donne un coup de pied? Ah oui, comme ça. Yeah, reviens. En plus je l'ai fait plein de fois sur PlayStation 2, ça servait à rien. Ah bah il y avait rien à récolter. Je croyais qu'il y avait un truc. C'est peut-être plus tard. C'est vrai que ça je le faisais souvent. Il suffit juste de loquer un personnage. Par exemple lui, non il est trop loin. Et ça le fait tomber. Oh, j'ai failli l'avoir en plus. On va faire un truc pour arrêter. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah c'est... Oh, une boule puante, ok. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ah bah du coup il tape l'autre, bon bah. Bon allez, on va sauvegarder. On va aller sauvegarder. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Commencer... Non, le lance-pierre, on fera ça après. Donc ici, on peut faire de la chimie maintenant. Mais nous, on va faire ça, sauvegarde. On va écraser l'autre. Enregistrement. Ok, on est à 2% du jeu, donc ça nous laisse pas mal de vidéos encore. Donc moi, j'espère que ça vous aura plu. Et donc, rendez-vous, je sais pas, d'ici 2-3 jours, ou sûrement une autre vidéo entre-temps, je sais pas. On verra bien. Donc moi, je vous dis à plus tard tout le monde, et ciao. Salut. Enjoy visiting your family. I will beat the perpetrator. You should not have done that.